sur du héros nul, hein. Aïe, 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 aïe. Normalement c'est Synergozade après ma tier list, mais je pense que j'ai fait top 1 avec, donc je prends de Pyrarite parce que j'ai pas fait top 1 avec, je pense. Je pense que j'avais fait le top 1 sur Synergozade, je suis pas sûr, j'ai un doute. D'après ma tier list, ce serait plus ou moins le plus nul des choix que j'ai, mais c'est un peu différent, c'est Pyrarite. Pyrarite, c'est un peu une exception. Est-ce qu'on roll ici? Peut-être qu'on roll là pour Tiscolaire et Micro. Ouais. Parce que booster ça me plaît pas trop en vrai. Ok. Le truc c'est que si vous commencez à booster de la merde sur votre board, vous êtes vraiment de la sauce, hein. Genre avoir une micro-machine qui est genre A15, ça m'arrange pas. On a touché, j'aurais préféré le petit mais costaud. Mais petit scolaire c'est déjà ça. On va faire avec. Tu es déjà monté à Casca? Oui. Yes. Il a pris la 2-2, lui. De 2-2, et lui, du coup, dragon 2-3. Ouais, il a dragon 2-3, donc on fait égalité. Non, je gagne. Les choix étaient nuls de toute façon, hein. Pierre, les choix étaient nuls, mais quitte à faire un choix nul, j'ai préféré prendre lui. Je vais prendre ça, il freeze ça, et Hero Power. Si je peux équilibrer les deux, ça me va, donc je vais d'abord acheter Hero Power. Enfin, acheter, poser Hero Power et freeze à 2-1. Je risque de perdre là contre le Roi, je choisis ça avec Gold. Parce qu'ils n'ont pas d'attaque malheureusement, mais. NP. Ok, ça c'est bien pour après. Château, on va up Hero Power achat et jouer. Et bah, il faudra que elle dodge les boosts quoi. Enfin, là, ça dodgera de toute façon parce que je la poserai après booster, mais pas au tour d'après. Là, c'est un fight que je perds normalement. Ou en tout cas, qui va être. Enfin, ouais, normalement, je suis censé le perdre. Et après, je vais gagner mes fights. Yep. Très étonnant. On le sait. Le fait d'avoir loupé le terrain, c'est très cher aussi, mais. Il vaut mieux ne pas acheter plutôt que de commencer avec Pyrite. Si vous mettez de la merde et que vous boostez de la merde, imaginez vous achetez ça, vous le boostez ou ça. C'est des trucs que je vois de temps en temps. C'est dramatique parce que bah, votre hero power est juste nul pendant quasiment tout le reste de la game. Vous avez boosté des trucs que vous allez vendre derrière ou qui n'ont pas d'attaque. Ça sert pas à grand chose. C'est pas un bon plan. C'est pas ce qu'on veut faire. Ok. Ça commence à avoir de la gueule. Là, il y a un monde où carrément je le vends à lui. Il y a clairement un monde où je le vends et genre ça me permet de faire un roll double achat Hero Power. Ça peut être pertinent, ça dépend ce qu'on me propose. Si on me propose que de la merde, je peux très bien ne pas up là. J'ai pas forcément envie de up Hero Power sur le prochain tour vu que j'ai loupé le TA. Et vu qu'ils ont que 3 attaques, c'est un petit peu short quand même. Je vais quand même mettre lui devant pour booster l'attaque. Donc voilà, il y a peut-être un monde où je traîne avant de up. Bon, forcément, gardien de bronze contre ma compo. Je rigole. Allez, un bon tour là. Deux démons, régale-moi. Ouh, ça me régale. Je vais pas lui en foutre de l'attaque. Je vais acheter les deux Hero Power. Je vais le garder du coup vu que j'ai une option triple. Faut vraiment que ça te tape là. Et prochain tour, dans l'idée, je pourrais achat, up, vendre et Hero Power. Enfin, dans l'autre ordre, bien sûr. Vous avez compris, l'ordre Hero Power, ça dépend. Hein. Ouais.
Ouais, le talent, le talent, le talent. Non! Pardon, excusez-moi, je suis extrêmement énervé. Please! La seule fois où. Où je peux pas. Où j'ai besoin d'un peu déranger, le 2 sur 3, ça passe pas, quoi. Quel enfer. Extrêmement déçu. Salaud. Salaud. Et là, à partir de là, ça commence à être difficile de bien booster, du coup, mais bon. Quand on loupe déjà stamina, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc là, ce qu'on veut, c'est tripler et pourquoi pas aller chercher du petit Raflor, je pense. Hein. Un petit triple, une tour Raflor en faisant le up, ça pourrait être cool. Aller chercher l'infernal, pourquoi pas. Aller chercher de l'argueuse, jouer avec du champion, etc. aussi, c'est une option pour après. Démon. C'est chiant ça. On serait 3 sur démon là, quel enfer. Il a vraiment héros pouvoir anti-scolaire ou pas? Je suis pas sûr parce qu'il a pris moins 3, il a mis moins 7, je sais pas trop. C'est bizarre. Je pense qu'on va faire ce play là. Hein. Ça, ça, vente ça et héros pouvoir. Ah, j'ai boosté elle. Ah, j'ai boosté elle quand même, j'ai pas boosté ça. Elle doit mourir elle. Ouais. Lui, s'il vous plaît. S'il te plaît Bob, s'il te plaît. Belle barbe, magnifique, magnifique. Ah. L'aéroport est obligatoire à chaque tour. Alors, oui, non. Sur les premiers tours, oui. Plus tu vas dans le late game, moi c'est intéressant parce que 4 points de vie, ça a beaucoup d'impact en early mid game. Et en. Plus tu vas vers le late game, plus c'est nul. En late game, t'en fous d'avoir plus 4 points de vie. Ça a beaucoup moins d'intérêt. Mais sur l'early, ouais. Sur l'early, c'est assez important. Aéroport avant. Je pouvais pas. Enfin, si j'aurais pu au repos et finir par le up, il me semble. Après, ça change rien, honnêtement. De toute façon, j'allais jamais booster ça. Lui, c'est un truc qui est censé mourir derrière. Je pense que là, on va roll pour des démons, triple et basta quoi. L'Empire pourquoi pas et chercher Argus derrière, enfin yep yep yep. Après flop se tenter parce que je vois en 4 c'est vachement mieux pour moi. Et il a pas l'air insane. Après il a fait 2 triples malheureusement pour moi, mais eux sont vraiment forts. Le truc c'est que si je pas 4, je vais galérer à choper d'autres bonnes cartes comme l'Infernal et tout et même faire mes triples. Ouais. On est sur les 9 quoi, c'est pas choquant de retarder de 1. Mais il a up. Non, 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 go, go up, go up. C'est chiant qu'il a fait 2 triples, mais bon, il a quand même perdu 2 fights avant. Ok. Oh. Vas-y, ça me troll. Merci CK. Merci pour les 10 mois. Tu penses pas que c'est plus intéressant de garder 2 tis scolaires plutôt que le triple, ça te fait de grosses créas? Non, du tout. Non, parce que quand tu triples, t'as une découverte et ça c'est vachement important. Et en plus, bah, ça te permet de perdre moins de vie quand t'achètes des démons. Non, 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 clairement pas. Je vois ce que tu veux dire, mais non. T'oublies l'impact que. Enfin, tu sous-estimes l'impact d'une découverte et tu sous-estimes l'impact bah, d'éviter de perdre un poids de vie en moins par démons achetés, quoi. Non, non. Non, non, du tout. Non, tu veux clairement tripler. C'est l'avantage quand tu tags un mec qui fait des triples en vrai. Enfin, la plupart des triples en T25 sont pas si forts quoi. C'est pas des grosses cartes de tempo. Et là, on l'a vu, ça a pas été trop gênant. Ça fait chier là.
Bon, lui est cool. Lui aussi, ça me fait 3 paires. Il va être temps de tripler là. Ce serait vraiment temps. Ah, bah voilà, parfait. Ce qui est dit est fait. Il n'est plus à faire. On peut peut-être vendre la 2 sacs et Hero Power là du coup. Matron, ouais j'ai envie de la freeze en vrai. Je vire une option de trip mais bon si je touche pas c'est trop chiant. Allez, 3 hits. Let's go. Malga. C'est raté, c'est de la merde. Prendre ça pour les gold, maybe, maybe not. Les deux carry qui sont à gauche, let's go les gars. J'aimerais jouer une compo démon taunt, mais probablement on touche pas super bien. Ça m'arrange pas tellement, j'ai pas beaucoup de rip-hop pour jouer avec. Enfin, pff, abusons pas, genre je peux la jouer, on peut l'envisager sous une fat tour quoi. Puis ça fait un gold donc c'est quand même cool, hein, mais je suis pas sûr que je vais vraiment jouer avec quoi. T'aurais pu Matron, Hero Power et Freeze the Trip, c'est pas bon. Je pense que c'était moins bien. Je pense que c'était moins bien. Ok, la grid, mais il était cherché à 6. Ok. Enfin, j'imagine qu'il a été prod à 6. J'ai pas vérifié en vrai. L'Argus, j'en ai besoin. On aimerait jouer avec l'autre. Yep. J'ai adoré, mais je veux clairement jouer le doré là-dessus, quoi. C'est clairement une compo où on veut chercher les triples, donc j'ai envie de le pick et de virer limite l'autre pirate. Yep. Ah c'est dur. Ah c'est dur là ce choix. Est-ce que je le joue pas et je joue ces deux là? Je le garde pour après, peut-être ouais. Nice. On le tue. Donc on cherche Tiscolaire, on cherche des démons, on cherche un champion. On cherchera de l'héroïne d'ici à deux tours j'imagine. Et pourquoi pas Raflor après. Ce qui est vraiment chiant c'est que... Et eux si je peux le triple aussi c'est cool pour après. Enfin soit. Je voulais finir avec le jongleur ici plutôt que le Raflor pour être plus fort quand même parce que si je pouvais le sortir c'était pas plus mal. Et tant que j'ai pas de doré il est quand même un peu short. Ouais c'est quand même plus 6 de stats quoi. Non plus 5. Pour moi 2 HP. Ouais go. Je prends goal contre lui, je pense. Genre il avait déjà un bouclier diva et je vois que Bras de l'Empire, je pense qu'il joue une compo potentiellement bien relou pour moi, donc on va être relou pour lui. Chier quoi, please. Oh c'est trop chiant là. Je suis dégoûté.
peux le prendre et ne pas poser. Oh, c'est chaud, hein. Ok. Chier. Mauvaise cible. Ah, ça peut traîner la refaire à trip. On la sera fait de tour, c'est dommage. Allez, ma petite goal. Ah, dommage. Bon, on le feu, main. Merci YWWA. Merci frérot pour les 17 mois. Il manque quelle classe pour faire 12 wins en arène? Masse. Bah, encore une fois, tout ça je les avais fait avant, mais il faut les refaire depuis qu'il y a eu les. Elle est au fait et je les ai pas trop refarm. Donc j'ai beaucoup à faire. À refaire. Mouais. Bon, ça se passe pas trop mal alors qu'on a pas super bien touché encore une fois. Genre, j'ai quand même du roll TA. J'ai fait qu'un triple là. On n'est pas sur une game full chat non plus, hein. Clairement pas. Clairement pas. Est-ce que je cherche un 6 ou un 5? En 5, il y a Toxioc, il y a Fine. Pillard, pourquoi pas. Il joue quoi lui? Mecha, on va garder la goal. Ouais, je vais pas up, hein, je vais renforcer, je pense. On fera ça, peut-être. Seigneur du 8 peut s'envisager, mais je suis pas trop fan. L'aéroport est pas super important là, donc Osef si on le fait pas. Malga vas-y, go Malga. Pillard est sympa, mais go Malga. Est-ce que je vois le jongleur? Je pense. Ouais, trop tard pour le roi de l'Empire. Avant c'était envisageable, là c'est trop tard, ouais. La goal qui nous carry clairement le fight, hein. Ouais, bras de l'Empire est plus bon, on est tour 11. On est tour 11 et on joue pas de... On joue pas de bouclier divatone, donc ça doit autant moins de valeur. Tu rentres par à Flor, non, je vais pas jouer avec, c'est trop tard, c'est dommage. Là ça commence à être trop tard, il sera trop petit et le temps qu'il rattrape le reste, ça vaut pas le coup. C'est too late. Merci maman, grand-maman. Le top 3 et on tag le mort, let's go. On pourrait up là pour essayer de chercher. Après là, je peux pas jouer à cause de la goal. Yep. Ah. Et ça joue mecha et lui, je sais pas. De toute façon, lui il va gagner. Là. Je vais être top 2. Hein. Je vais être top 2, les gars. Mais contre lui, ouais, il avait déjà au moins un bouclier divin. En vrai, j'ai pas le choix pour gagner contre lui. Je pense qu'il me faudra quand même deux Toxi AA et Ruin, etc. Go up. Ah. Ok, nice. J'en profite pour booster un peu ces deux-là quand même. Ah, c'est que je veux les deux là. J'ai freeze d'héroïne, je pense pas Hero Power. Je m'en fous d'Hero Power honnêtement à ce stade-là. Je pense que je préfère sauver un gold. Et ne pas avoir de Rafleur mais le vendre au prochain tour. Yep, je pense que c'est mieux ça. Parce que si je vois Rafleur pour Hero Power, 4 points de vie sur ce timing, je. Eh. Bof. Alors qu'augmenter leur stat, ça a quand même de la valeur. Des points de vie, je pense pas que c'est ce qui est... Enfin, c'est important, mais...
Pas autant que de gagner un potentiel roll qui me donne une toxie, que j'aurais pas sans ça. Ah dommage, il meurt pas. Final. Ouh, il l'a pas tué. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Pas du tout. I'm dead. J'hésitais, mais le truc c'est que la Gaule, je sais qu'il avait au moins un bouclier divin, peut-être deux, donc elle a quand même de la valeur. J'en suis pas très content, mais elle a de la valeur. Ouais, il y en a deux. Ouais, j'ai bien fait de la garder quand même, mais... Disons que je me doute que mes stats sont trop faibles par rapport au fait qu'il y ait une massacreuse super tôt. Et du coup, je vais galérer à contest. C'est pour ça qu'il me fallait des toxies. Mais si je veux jouer toxie, en fait, il faut que je vire la Gaule. Ce qui est quand même assez gênant, mais dans tous les cas, ben... j'ai pas beaucoup de possibilités. Ok, on meurt pas, c'est ce que j'espérais. Parce que lui, il était pas fou, hein. Et contre lui, la Gaule, elle est vraiment insane. Ok, il y a moyen que je le feu, mais que je finisse top 2 quand même. Il y a eux deux que j'ai envie d'enlever, mais pour les enlever, globalement, il n'y a pas grand chose. Quoi. Ça peut être Héroïne x2, Vaifant, tout ça, mais. Yep. Chaud. On aurait voulu poser un Rafleur plus tôt, mais il était trop petit, parce qu'il n'y avait qu'une dorée, et que si je l'avais posé, je me serais fait casser la gueule potentiellement. Et bah, surtout le champion qui aurait été cool, avec le gros taunt, mais on l'a pas eu. Ok. Bon, en vrai, contre Mecha Gobos, tant pis. Hein. Tant pis. Ça fait beaucoup de boost. J'avais vraiment peur qu'elle le tague. Double héroïne. Il a bien touché malheureusement pour moi et les trades se mettent très mal. Ok. Je pense qu'on a perdu. Ok, ça c'est pas mal, mais ouais. Ouais, on a perdu. Bon, c'était assez close, hein. C'était assez close, le fait qu'il tape le premier hit à droite était fine pour lui. Mon hit à droite et les héroïnes sont bien mises aussi. Ouais, c'était un bon coin flip quoi, 50-50. Alors cette pièce qu'il a remporté. Bon, on est tour 14, honnêtement j'ai pas une grosse compo. Là ça fait plusieurs games en vrai où on joue avec que dalle et on arrive à aller chercher des top 1, top 3.
Mais j'estime pas avoir touché. Vraiment, moi, ce que je cherchais, c'était à faire une vraie compo taunt démon mid-game ou... Et là, en fait, j'avais que le T-Scolaire. En fait, pour Snowball, ma compo, moi, ce que je cherchais, c'est une compo T24 à base de T-Scolaire démon. Et quand je dis T-Scolaire démon, c'est lui doré et lui doré. Ou champion d'Icharage, du coup, avec des taunts. C'est pour ça que je l'ai taunté. J'ai pas eu de champion. Rafle l'or, mais j'avais qu'un doré, donc je pouvais pas le poser. Et du coup, ma compo avait pas un vrai potentiel Snowball comme elle aurait pu l'avoir. Et derrière, bien sûr, héroïne dorée. Et pourquoi pas rentrer à ce moment-là si j'ai une vraie compo derrière Toxie et jouer sans goal. Mais là, je pouvais pas, honnêtement. Là, je pouvais pas. Et vu qu'il y avait beaucoup de boucliers diva, elle était legit de rester. Donc ouais. Mais on s'en sort bien, honnêtement. On s'en sort bien, sachant que j'ai pas eu un très bon early. J'ai quand même dû roll tour. Hein. Mais c'est fine. Mais ouais, vraiment, avec Pyramid, si vous le jouez, si vous avez vraiment que de la merde, c'est probablement mieux de roll tour que d'acheter un mauvais truc à booster.